Aujourd'hui, 9 octobre, ce pays a 45 millions d'habitants. Tout le monde est coupable d'écrire simplement ce mot. Désolé, prenez soin de cet enfant, signé absent. Aujourd'hui, les mères ont rêvé qu'elles gardaient leurs enfants. Des filles ont quitté leur famille bourgeoise, l'inceste déplaisant. La lettre d'humanité a remonté et elle a été adaptée avec des bouts de bobards. Des petits enfants de l'âge pas vrai ont chanté dans les avions des mélodies nostalgiques de leur pays. La réponse à toutes ces demandes a été « Restez où vous êtes. Quant à moi, je ne vis plus à Paris. » De temps en temps, le téléphone pleure et il faut lui donner espoir. La radio, elle, a commencé à montrer des vraies images. En Corée du Sud, il y a des enfants à vendre. Ici, on a beaucoup reparlé de la fausse pauvreté des Coréens. C'est le signe qu'une chose grave va se passer. Mais très près, là, dans les rues près de cette ruelle, cet enfant a été trouvé partout comme pour être sûr. 9 octobre, l'adoption est au pouvoir. Ça va sauter d'une seconde à l'autre. Les vendeurs d'enfants répandent partout le bruit que la famine en est la cause. Des excuses par là, le loin permet ça, les publicités remettent ça. Les mères sans enfants persuadent les agences et on ne manque pas de faire observer une fois de plus combien ils sont magnifiques. Les adoptions réussies, plus que jamais, sont partout citées en exemple.